reprend dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 6 décembre. Du coup là on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Du coup on va ouvrir aussi le 5. Car si vous me suivez, vous savez que le mardi je ne vlog pas. C'est jour de repos de mon copain. Puis voilà. Du coup j'ai pas fait grand chose hier. Bon, je vous ouvre. Donc aujourd'hui nous sommes le 3. Il est là. C'est que ça s'ouvre ici. Et donc aujourd'hui on a un savon. Donc savon gourmand, nettoyant et exfoliant aux éclats d'amande. C'est le genre de produit que j'utilise pas trop, je vous avoue. J'utilise pas vraiment de savon comme ça. Et ensuite, comme demain on sera dimanche et que je ne vloguerai pas, on va ouvrir le 4. Et donc le 4, c'est un lait corporel à la verveine. J'adore cette odeur. Donc voilà, puis franchement les formats c'est cool, genre quand vous partez en vacances, tout ça. Donc hier on était le 5. Oh yes, ça c'est cool. Donc c'est une crème pour les mains à la pivoine. Et voilà, leurs crèmes pour les mains franchement elles sont trop cool. Et même les odeurs, je crois que j'aime à peu près toutes les odeurs. Et aujourd'hui on est le 6, donc on ouvre le 6. Et aujourd'hui on a un après shampoing aux 5 huiles essentielles. Donc j'utilise rarement des après shampoings, mais en tout cas le format. Du coup c'est cool ces petits formats pour emmener en vacances, je trouve. Et puis bah, dans celui-là c'est juste des motifs, donc c'est pas très utile. Et je préfère manger mon petit chocolat le soir. Sinon là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon petit déj devant Plus belle la vie. J'ai regardé une ou deux vidéos. Il est 9h, j'aimerais bien aller à la salle de sport ce matin. J'ai un petit peu mal à la tête mais ça devrait aller. Et j'attendais en fait d'avoir un SMS en fait de Chronopost parce que j'allais recevoir un colis aujourd'hui. Et du coup ils m'ont envoyé le SMS en disant que le livreur arrivera entre 10h55 et 12h55, je crois, un truc comme ça. Donc du coup c'est cool, je peux aller au sport avant. Donc ça fait un moment que je ne suis pas allée à la salle comme avec les migraines tout ça et... Bah, médecin et ostéo, on m'avait déconseillé de retourner faire du sport. Donc du coup j'avais essayé de les écouter, j'avais fait une séance je crois entre genre je sais plus ce que j'avais fait, enfin bref. Donc, du coup je vais y aller, la dernière fois que j'étais allée j'avais un problème de carte, ça ne passait pas. Du coup là j'espère que ça va passer, mais c'est aussi pour ça que j'attendais un peu genre 9h, parce que je crois que c'est à 9h qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'accueil, sinon il n'y a personne. Donc imaginez qu'il n'y a personne qui a décidé d'aller à la salle de sport et qui veut bien m'ouvrir. Et le problème c'est que comme je me suis inscrite à la salle qui est en centre-ville qui n'est pas encore ouverte. Enfin je crois qu'elle n'est pas encore ouverte, attendez. Parce qu'ils avaient dit que... Enfin ils avaient dit fin novembre, mais à chaque fois ils repoussent. Enfin moi je me suis inscrite à cette salle en mai. C'était censé être bientôt qu'elle ouvre et en fait bah, pas du tout. Et en fait si j'ai un problème avec ma carte, en fait il faut que j'aille là-bas pour qu'ils voient un truc. Du coup c'est un peu relou. Parce que enfin moi j'ai pas envie d'aller en centre-ville juste pour ma carte. Donc c'est un peu chiant. Bon bah je ne vois toujours pas de date pour l'ouverture de la salle. Normalement c'est avant 2018. Hein. J'espère parce que bon c'était censé être en octobre. Après, enfin bref ils ont repoussé à chaque fois. Mais là je ne vois aucun message qui dit que c'est ouvert. Ils donnent la date d'ouverture le samedi 9 décembre. Donc samedi là. J'ai regretté, bref. Donc du coup bah, j'espère que la carte va passer parce que le problème c'est qu'elle était déjà passée, elle était passée les autres coups, puis là elle était pas passée, c'était chelou. Donc je vais mettre en tenue de sport et puis on va y aller. Voilà, j'ai hâte mais je sais pas encore quelle séance je fais en fait. J'hésite à commencer doucement en faisant genre cardio abdo. Je pense que je vais commencer tout doux. Et voilà, si je peux y aller aussi demain tout ça. Ça serait cool parce que franchement je vous avoue que ça me manque. En tout cas je suis en tenue My Protein jusqu'aux chaussettes les gars. Je voulais même mettre ma veste, j'ai une veste en fait noire, genre une veste comme une veste de survêt My Protein que je ne sais pas où elle est. J'en ai aucune idée, je voulais mettre ça. Je suis tout en noir et j'ai mis du coup le nouvel ensemble que j'avais eu, je vous avais même pas montré je crois. Parce que j'avais dû le recevoir un jour où je vloguais pas. Mais là faut absolument, je sais pas si vous voyez, là en fait c'est toutes mes tenues de sport et c'est la catastrophe. Du coup, j'essaie de chercher ma veste, mais je sais pas où elle est. Non, je ne vais pas y aller en sweet licorne. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je ne vois même pas mes autres vestes, tout va bien. Je crois que je vais mettre un sweet.
C'est mon sweat chair fraîche, un sweat Emily One. Je mets ça par-dessus. Parce que c'est pas tout ça, mais dehors, ça caille. J'avais presque oublié de prendre mes nouveaux écouteurs, puisque maintenant que j'ai changé de téléphone, eh bien, j'ai des écouteurs, le truc lightning là. Ils ont une matière d'écouteurs neufs, mais je pense que ça va pas trop durer longtemps, enfin quoi que... Les écouteurs, en vrai, finalement, je m'en sers pas si souvent que ça. C'est pour ça que ça me dérangeait pas trop au final qu'il n'y ait plus le port jack. Puisque, bah, à peu près, les seuls moments où j'utilise mes écouteurs, en fait, c'est genre quand je prends le train, tout ça. Donc voilà, en plus de pas charger en écoutant, c'est pas si grave que ça. Parce que là, franchement, ma batterie, elle tient trop bien. Je peux ne pas la charger des fois pendant 24 heures, surtout qu'en stage. Bah, j'ai pas mon téléphone sur moi, enfin je le prends pas dans ma tenue et du coup il y a que quand je suis le matin où je le prends pour ma pause du midi puisque pour la pause je peux le prendre et encore il n'y a pas vraiment de réseau donc je l'utilise pas trop mais j'essaie quand même d'aller sur les réseaux sociaux et du coup ça utilise un petit peu plus de batterie mais sinon franchement il tient trop bien donc je suis trop contente, c'est trop cool. Ça me change la vie. Pas besoin de sortir en se disant oh, est-ce que j'ai mon chargeur, est-ce que j'ai ma batterie externe et tout. Donc c'est trop cool. Je vais éteindre la télé aussi. Qu'est-ce que j'ai fait, la télécommande. Et du coup je crois que je voulais jamais montrer encore en vlog ce nouveau téléphone. Du coup j'ai pris le argent, mais si vous voulez j'ai fait une vidéo unboxing sur ma chaîne principale. Une vidéo pas très très utile mais qu'on m'avait demandé. Donc du coup il y a argent et du coup bah en fait comme vous voyez ça fait miroir. Il est comme ça, donc j'ai mis une coque assez rembourrée sur les coins, tout ça. Donc ça fait le téléphone un peu plus épais, mais ça le protège. Et j'ai mis une vitre en verre trempée dessus, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire une séance cardio. Et avant, en fait, je courais tout le temps, genre 10 minutes après ma séance. Sauf que du coup, pour le dos, en fait, on m'a carrément déconseillé de faire de la course. Donc du coup, je pense que je vais plutôt faire genre de la marche rapide, pardon. Et du vélo et tout ça quoi. Bon, on y go. Ça y est, j'ai terminé ma séance. Par contre, ça caille. Du coup, voilà, j'ai fait abdos cardio. Là, je vais rentrer. En fait, il faut que je filme une vidéo. Bref, en fait à la base de moi c'était censé être une vidéo pour une marque et ils ont toujours pas répondu. Du coup faut que je fasse un autre truc, enfin bref, c'est compliqué. Donc je vais faire ça en rentrant. Voilà, enfin je vais me doucher d'abord tout ça. Voilà rentrée, je sais pas si vous allez entendre, mais on entend un peu le couinement de l'aspirateur. Parce qu'il y a la femme de ménage là qui fait le ménage dans les parties communes. Non, si je ferme les volets moi. Du coup, il va être bientôt... Enfin, il est 11h20, 11h20 n'importe quoi. Non, s'il était 11h20... Voilà quoi, il est 10h20. Je vais préparer vite fait ma vidéo. Enfin, voir un peu ce que je dis dedans, tout ça. Me doucher, me préparer. Et il y a ma maman qui vient avec Lily me déposer quelques trucs vers... elle m'a dit 11h45 midi. Puisque Lily a école le matin. En fait, j'avais passé une commande à sauce. Sauf que, en fait, ma soeur, elle commande avec mon compte à sauce parce que j'ai la livraison en 24 heures, tout ça. Et du coup, en faisant ma commande, j'ai pas fait gaffe. J'ai laissé l'adresse, du coup, l'adresse de chez mes parents. Du coup, il y a un colis qu'ils ont reçu là-bas. Et j'en ai commandé un autre, mais je pense que je vais rien vous montrer. Je vous ferai un haul. Et là, j'attends d'avoir mes sous, ma petite paie du mois. Paye. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Pour aller faire un peu de shopping, j'aimerais bien aller chez Bershka. J'avais vu des trucs trop beaux l'autre coup avec Jade quand on y était allé. Bon, depuis, il y aura sûrement plus tout. Et j'aimerais bien repasser pour me racheter quelques petits vêtements d'hiver. Puis là, du coup, sur Asos, je me suis pris quelques trucs pour trouver mes tenues pour Noël, le Nouvel An, tout ça. Je sais même pas encore ce que je fais à Nouvel An, mais bon, je sais même pas encore exactement ce que je fais à Noël. Parce que c'est compliqué, du coup, parce que bah, on habite ensemble avec mon copain, sauf que bah. Enfin, il y a Noël tous les deux chez nos familles, voilà quoi. Donc c'est un peu triste de se séparer et en même temps c'est un peu triste de pas voir nos familles, du coup j'en sais rien. Enfin bref. Pareil comme Nouvel An. J'ai envie de faire Nouvel An avec mon copain, mais si je fais avec lui, ça sera sûrement avec ses potes. Et moi j'ai envie de faire aussi avec mes potes, enfin bref. C'est toute une organisation, donc je ne sais pas encore. Bref, si j'ai déjà les tenues, c'est pas plus mal.
Et puis ce qui est cool, c'est qu'à midi, j'ai pas besoin de me faire à manger parce que hier, j'ai pas terminé mon assiette. Du coup, bah, c'est plutôt pratique. Faudra aussi ce soir ou demain que je monte le vlogmas. Ah bah non! Puisque demain, nous sommes jeudi, c'est-à-dire pas de vlogmas, vu qu'il y a une vidéo sur ma chaîne principale, j'ai un peu plus de temps. Sinon, j'ai terminé ce livre et du coup, j'ai repris After, j'en suis au tome 2. Voilà, j'essaie de reprendre un peu la lecture, genre le soir, puisque vous aviez été plusieurs à me demander une vidéo sur mes lectures du moment. Enfin, du coup, quand j'aurai terminé plusieurs livres, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Bon, j'ai fini de filmer ma vidéo, du coup, je me suis maquillée, enfin, je me suis douchée et tout, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, là, faut absolument que je la monte. Il y a le facteur qui vient de passer. Du coup, j'ai trois colis. Je pensais que j'allais en avoir qu'un. Et là, il arrive avec trois colis. En plus c'était relou parce qu'à l'interphone on n'entend rien en fait parce qu'ils sont en train de faire des travaux donc c'est insupportable. Mais bon, voilà, donc là j'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer les colis, faire le montage de ma vidéo, tout ça. Je vais commencer par le montage, comme ça pourra charger pendant que j'ouvre les colis. Puis ensuite il y aura maman et la Lilette qui vont passer. Donc voilà, je me dépêche de tout monter. Et puis pour mon stage, j'ai enlevé mon rouge à lèvres. Voilà, c'était juste pour la vidéo. J'ai cru que c'était ma maman et ma soeur, c'est un autre colis. J'ai mis 3 ans, pareil, à lui faire comprendre que c'est au rez-de-chaussée. Parce qu'il me demandait ça à quel étage, sauf qu'on n'entend rien avec les travaux, comme je vous l'ai dit. Bref, faut vite que je continue ma vidéo, j'en suis à la moitié. Bon, du coup, là, ma maman et ma soeur viennent de partir, donc j'ai vite fait finir mon montage. Ensuite, il faut que je me réchauffe mon assiette, que je mange, que je vous ouvre les colis. Il est 24, oh, j'espère que ça va le faire. Enfin, surtout que ma vidéo aura fini de charger avant que je parte, pour que je puisse la charger sur YouTube. Bon, ça y est, j'ai fini mon montage, il me restait vraiment pas beaucoup hein, avant que ce soit terminé. Donc j'espère que ça va aller assez vite, parce que la vidéo est quand même assez grosse. Je vais mettre à chauffer mon assiette comme ça. En attendant, je vais vous montrer les colis. Donc du coup, j'en ai 4 de colis. Il me reste pas grand-chose à manger, hein. Mais ce sera suffisant, ça m'ira très bien. Bon, je suis désolée si vous entendez le micro-ondes. Donc là, il y a celui-ci. Donc c'est écrit fragile partout. C'est bien emballé. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh si, je sais ce que c'est! Et comment, il y a le nom de la marque. Et il y a le nom de la personne qui l'a envoyé. C'est le même nom de famille que Jade, si vous connaissez Jade. Du coup, je comprends pas trop parce qu'il y a deux colis. Je suis désolée si vous entendez le micro-ondes. Et donc, là vous avez un gros indice, hein. Par contre, comment on ouvre ça? Donc je suis trop contente, trop hâte de l'essayer. Je vais vous montrer. Donc je vais pas pouvoir tout ouvrir et tout essayer aujourd'hui, hein. Ça va être compliqué, mais je suis trop contente. Donc j'ai reçu le Dyson Supersonic. Donc c'est le sèche-cheveux. Je sais, quand on regarde comme ça, on dirait pas un sèche-cheveux. Apparemment ça sèche plus vite et tout, enfin il y a plein de points positifs, je sais pas si c'est écrit en français. Réglage de la chaleur, contrôle intelligent de la chaleur, sortie du feu d'air, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc là je vais pas l'ouvrir, je vous montre juste, mais j'ai trop hâte de l'essayer. Et il y a un autre truc, c'est la caisse de rangement, je savais pas qu'il y avait une caisse de rangement carrément. Donc je vous les montrerai, je vous les ouvrirai dans un autre vlog peut-être demain. Donc franchement c'est trop cool. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'essayer. Voilà, c'est enfin, un petit cadeau de Noël. Avec donc une petite carte, ils m'ont écrit un petit mot. Et il y a une petite carte comme ça, donc c'est trop cool. On parlait justement avec ma maman de faire à repasser. Enfin de repasser, parce que je repasse pas mes blouses de stage. Parce que en fait on a un fer à repasser, enfin mon copain en a un. Mais je le trouve pas terrible, terrible. Et là, du coup, j'en ai reçu un de chez Philips. C'est ultra facile, Veloce. Bref, du coup, il y a pas mal de petites choses qui sont plutôt cool. Donc là, pareil, je vais pas tout vous montrer, je vais pas l'ouvrir. Mais waouh, c'est Noël, je suis trop contente. Voilà, peut-être que ça me donnera envie de repasser un peu plus. Parce que je repasse pas beaucoup. Je repasse jamais, en fait. Ensuite, un autre truc Octoly. Je vous avais déjà montré, j'avais déjà reçu des dentifrices de la marque Buccotherm, dont un dentifrice pour bébé. Donc moi j'avais déjà reçu celui-ci, je crois que c'était celui-là. Donc c'était prévention carie que j'avais reçu, je crois. Et là donc en plus j'ai le blancheur et soin. Donc en fait c'est des dentifrices qui sont bio. Quoique celui-ci c'est pas noté. Mais celui-ci est bio. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ben voilà. Je testerai celui qui est bio. Et le dernier colis, donc je vais avoir des cartons partout. Je suis désolée, hein, je fais un peu rapide, mais j'ai pas beaucoup de temps.
Donc c'est encore un gros truc et c'est un lisseur de la marque Remington. Donc c'est un nouveau, c'est le Keratin Protect. C'est un lisseur intelligent comme ils disent. Donc je pense que je vous montrerai ça sur ma chaîne principale pour vous tester un peu plus. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Donc merci à Remington, à Philips, à Dyson et à Bucotherm du coup. J'ai des cartons partout. Sauf que je vais pas vraiment avoir le temps de m'en occuper. Donc mon copain va rentrer, il va voir ça, il va se dire mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Moi je vais manger. Je sais, il faut absolument que je nettoie cette vitre. Bon, mon vlog est déjà chargé, 18%, c'est pas mal. Et du coup, ce que ma maman m'a emmené, c'est mon sapin de Noël, mais je me souvenais plus qu'il était si petit. Du coup, je vais mettre ça en fond dans mes vidéos. Avec, j'avais genre une petite guirlande comme ça. Et puis des petits sucres d'orge comme ça que j'avais mis dessus. Et elle m'a apporté aussi une petite guirlande comme ça. Donc voilà. En plus, ça va bien avec les tons de l'appart. Et... elle m'a ramené mon colis à sauce, donc voilà, que je vais pas vous montrer comme je vous l'ai dit. J'aimerais bien vous faire un haul un peu plus tard. Je prends mon téléphone, je vais manger et on se retrouve tout à l'heure. C'est toujours quand on est pressé que rien ne marche. J'ai eu un bug sur mon ordi, du coup j'étais censée envoyer la vidéo là tout de suite en fait à mon nettoir pour qu'il voit, pour valider la vidéo qui doit être en ligne demain. Sauf que du coup elle a pas fini de charger avec sa bug sur mon ordi. Du coup on croise les doigts que je puisse l'envoyer ce soir et que la marque réponde avant demain 13h pour que je puisse la publier quoi. Que du coup là je dois absolument partir, on va mettre un petit coup de parfum et vous voyez j'ai une nouvelle écharpe. Bref, je vous en reparlerai. Je pense que là j'ai tout ce qu'il faut, toutes mes affaires, mais il faut que j'y aille, je peux pas attendre sur ma vidéo. Voilà, je pense que ça me permet d'arriver en retard en stage, tant pis pour la vidéo, ce sera pour plus tard. Faudra que j'aille jeter les cartons. Train de me rendre compte que j'ai une montre que j'ai mise pour ma vidéo qu'il faut que j'enlève parce qu'en stage pas de montre. Je retournais voir sur mon ordi en fait, je sais pas, en fait il y a un truc qui charge sur la souris, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, un truc qui n'arrive jamais. Et là bien sûr pile quand je dois compter sur mon ordi, ça bug. Donc là je vais y aller, je voulais dépendre le linge, j'ai pas eu le temps. Bon, ah let's go, il y a mon alarme de téléphone qui sonne. C'est l'heure de partir. J'ai perdu des poils d'écharpe. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Comme je vous l'ai dit, mon écharpe perd ses poils. On dirait que j'ai un chat. Il m'a foutu des poils partout sur mon pantalon. C'est super. Hello, je suis devant mon garage qui est en train de s'ouvrir. Je vous ai pas pris mais j'ai fini ma journée bien sûr. Du coup là je rentre à la maison. Je ne sais pas si mon copain sera là parce qu'en fait il m'avait demandé si je voulais aller manger chez son papa, mais il avait oublié que je finissais à 21h. Enfin 21h, moins 20. Mais bon, le temps de rentrer, ça fait 21h, voilà, on n'allait pas je rentre puis repartir direct. J'ai grignoté un petit truc en stage, du coup là, je vais manger un petit juste un truc vite fait. Et puis voili voilou, je sais pas pourquoi je me crois jeudi aujourd'hui. Alors que bah pas du tout hein, nous sommes mercredi, il reste encore 2 jours avant le week-end. Complètement perdu. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les parisiens et les parisiennes qui me suivent, il va peut-être se passer quelque chose ce week-end. Je n'en dis pas plus parce que j'ai rien dessus. Mais en tout cas, si jamais, n'hésitez pas du coup à bien me suivre sur les réseaux sociaux et sur les vlogs et tout ça, parce que je vous en reparlerai. Rien n'est sûr encore, donc je n'en dis pas plus, mais gardez ça dans un petit coin de votre tête et puis suivez-moi, voilà. En ce moment il y a des ouvriers qui font des trucs dans le garage, du coup il y a des trucs partout, et hier, j'espère qu'ils l'ont mis, la porte ici ne se ferme plus, ils avaient démonté le truc au-dessus. Bref, il y a une porte dans le garage en bas qui se ferme plus, qu'ils ont abîmé. Super. Et je vois que là la porte à l'entrée, j'ai dû la pousser pour qu'elle se ferme bien. Chelou, chelou. Donc effectivement mon copain n'est pas là. Du coup là ce que je vais faire, faut que je vous avais dit là à midi ma vidéo, que ça avait qu'à fouiller, qui normalement a fini de charger hein, parce que bon voilà, sauf s'il y a eu un bug. Il faut absolument que je l'envoie. Voilà, apparemment la personne à qui on doit l'envoyer après, enfin en fait j'envoie mon network. C'est eux qui s'en chargent de voir avec la marque tout ça, normalement ils sont assez réactifs, qui m'ont dit.
Donc voilà. Je vais regarder ça, je vais manger un petit truc vite fait. Faut que je prenne aussi mon traitement là que je prends pour mes migraines. Ça va mieux, enfin je pense que vous le voyez que ça va mieux. Et il me reste jusqu'à samedi. En fait j'ai fait une semaine à temps de goutte, ensuite j'ai diminué un peu. Et ensuite j'arrête samedi. Donc voilà, j'espère que ça va pas reprendre. Donc voilà, en tout cas ça a plutôt bien marché. Enfin là je sens quand même que le soir en fin de journée j'ai quand même un petit peu mal. Mais franchement c'est du bonheur par rapport à ce que à comment j'avais mal au début quoi. Du coup voilà, je vais mettre à charger ma vidéo sur YouTube. Peut-être monter le vlog ou je sais pas ce que je vais faire. Ou peut-être me poser devant la télé. Et après je lirai peut-être un petit coup, j'avais envie de me... Je vous l'ai dit ça tout à l'heure je crois. Je radote. Sinon mes patients aujourd'hui m'ont appris... Ce soir ils m'ont appris à jouer à Rubik's Cube, je crois que ça s'appelle. C'est pas Rubik's Cube, c'est Rubik's Cube, un truc comme ça. Bref, je connaissais pas du tout, du coup je leur ai demandé. Du coup ils m'ont appris à jouer, voilà. Donc peut-être qu'un coup je jouerai avec eux. Parce que nous on apprend des choses aux gens. Les infirmières tout ça m'apprennent des choses. Et les patients aussi nous apprennent des choses, ils nous apprennent beaucoup. Beaucoup de choses. Du coup je pense que je vais... En fait depuis tout à l'heure j'essaie d'enlever mon manteau mais j'arrive pas. Et ouais, du coup je pense que je vais vous laisser parce que là je vais, comme j'ai dit, je vais lire un peu et je vais vous montrer où j'en suis dans After Tome 2. Ça fait un moment que je vous montre hein. Mais le livre est tellement gros et en fait j'ai tellement l'autre livre que du coup des fois je m'arrête, je lis un autre livre tout ça. Et mon marque-page, oui c'était un bout de bois, voilà, c'était un coup, je lisais ça un été, c'est peut-être cet été là. Et Lily m'avait donné un bout de bois comme marque-page, du coup bah, j'ai toujours regardé ça comme marque-page. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. Je sais pas trop si je vais pouvoir beaucoup vlogger demain. J'ai pas mal de petites choses à faire, bref. On verra bien. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain.